Si tu es un dirigeant, if you are a leader, je voudrais te parler. I want to speak to you. Plusieurs dirigeants sont en train de mourir. Many leaders are dying parce qu'ils ont concentré la charge autour d'eux. Because they have concentrated the task around them. Ils connaissent ce qu'il faut faire. They know what they must do. Mais ils n'ont pas communiqué ce qu'il faut faire. But they have not communicated what is to be done. Et ils sont en train de s'écrouler. And they are breaking down. Dans la stratégie missionnaire du Seigneur. In Jesus' missionary strategy. Après avoir réalisé que la moisson était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers. After realizing that the work, the harvest was plentiful and that there were few laborers. Il a commencé à les envoyer deux à deux. He started sending them two by two. Au départ. At the beginning, il alla avec tous ses disciples. He went with all of his disciples. De ville en ville. From town to town. De village en village. From village to village. Et il prêchait avec eux. And he preached with them. Quand il fallait rapidement accomplir la tâche, when he needed to accomplish the task quickly, il a commencé à les envoyer deux à deux. He started sending them two by two. Dans des directions différentes. In different directions. Afin d'avancer rapidement. So as to go ahead quickly. Nous avons encore 3 mois devant nous. We still have 3 months ahead of us. Il faut une répartition minutieuse des tâches. We need a clear and careful sharing of tasks. Les dirigeants doivent faire une répartition minutieuse. Leaders must do a careful partitioning. En période de crise, in the crisis periods, on adopte un comportement de crise. We adopt a crisis behavior. Nous sommes en période de crise. We are in a crisis period. Et beaucoup de gens ne le constatent pas. And many people have not taken note of it. Beaucoup de gens sont encore trop à l'aise. Many people are still lazy. Beaucoup de dirigeants sont encore trop à l'aise. Many people are still so at ease. Many leaders are still so at ease. Le frère Théodore nous a dit. Brother Theodore told us. Il vaut la peine qu'il meure plutôt qu'on n'atteigne pas les 1 million. It is better that he should die than for us not to accomplish than for us not to reach 1 million. Il n'envisage pas comment il peut continuer à diriger si on n'a pas atteint les 1 million. Vaudrait que Dieu l'enlève. He cannot even think of the fact of leading when we have not accomplished the goal of 1 million. Et il resserre les taux autour du pasteur Boniface. Et il met la pression au pasteur Boniface. And he's putting pressure on Pastor Boniface. Et le pasteur Boniface vit sous la hantise que les 100 000 soient menés au Seigneur. And Brother Boniface is living under the pressure that 100,000 must be given. Donc si tu es un dirigeant autour du pasteur Boniface, so if you are a leader around Pastor Boniface, et tu n'as pas de sens de responsabilité, and you don't have a sense of responsibility, tu n'as pas un sens d'urgence, you don't have a sense of urgency, tu es un traître, you are a traitor, tu n'es pas une aide, you are not an aide. À l'heure actuelle, tu n'es pas une aide. At the moment, you are not a helper. En fait, tu es dangereux. In fact, you are dangerous. Ça vaut la peine que tu ne sois pas là et qu'il y ait un vide à combler plutôt que tu sois là et que tu ne fasses pas ce qu'il faut. In fact, it's better that you are not there and then we have an empty place to fill than that you are there and you are not doing anything. Mais beaucoup de gens sont trop à l'aise. But many people are so much at ease. Les gens ne font pas une évaluation. Many people are not evaluating. Et si les dirigeants sont à l'aise, and if the leaders are at ease, les brebis vont paresser. And if the leaders are at ease, the flock will also be at ease. Les brebis vont paresser. The flock will be lazy. Frère comme toi, brother like you, je sais, I know. Nous avons bataillé. We have fought. Nous avons bataillé. We have fought. Mais nous devons continuer. But we must continue. Nous devons continuer. We must continue. Nous n'allons pas reculer. We will not go back. Il n'y a pas moyen de reculer. There's no way of going back. Qui met la main à la charrue? The one who puts his hand on the plow et regarde en arrière and looks back n'est pas digne de Dieu. Is not fit for God. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. We cannot look behind. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. We cannot look behind. Il est possible. It's not possible. Non, il est possible. It is possible d'avoir ces 100 000. To have this 100,000. Il est possible. It is possible d'avoir ces 100 000. To have this 100,000. Mais beaucoup de gens ont cessé d'y croire. Many people have stopped believing. Mais beaucoup de gens ont cessé d'y croire. Many people have stopped believing in it. Mais beaucoup de gens ont cessé d'y croire. But many people have stopped believing. Et en l'absence de foi, and
En l'absence de foi, and in the absence of faith, on devient désagréable à Dieu. We become displeasing to God. Dès qu'on perd la foi, as soon as we lose faith, on devient désagréable à Dieu. We become unpleasant to God. Les disciples étaient dans la barque. The disciples were in the boat. Et le Seigneur les rejoignait. And the Lord joined them. En marchant sur les eaux. By walking on the waters. Et ils ont commencé à discuter. And they started arguing. Certains pensaient que c'était un fantôme. No, some said that it's a ghost. Et Pierre a dit. And Paul said. Si c'est toi, Seigneur. Said, if it is you, Lord. Demande que je vienne. Beckon me to come. Et le Seigneur lui a dit de venir. And the Lord asked him to come. Et Pierre a sorti son premier pied de là-bas. And then Peter took out his first leg from the canoe. Et ça ne s'est pas enfoncé. And then he stood on the water. Il a sorti le deuxième pied. Then he took the second leg. Et ça ne s'est pas enfoncé. And then he did not go down. Et il s'est mis à marcher sur l'eau. And then he started walking on water. Le Seigneur l'avait appelé. The Lord had called him. Il avait répondu à l'appel du and Seigneur. And he answered to the call of God. Et il avait commencé l'obéissance. And he started his obedience. Par un miracle. By a miracle. Mais sur le chemin. But on the way. Il y a eu une tempête. There was a storm. Et Pierre a détourné ses regards de Jésus. And Peter turned his eyes from the Lord. Pour regarder aux circonstances. To look at the circumstances. Donc on pourrait dire qu'on avait beaucoup prêché. We can say that we have preached so much. Et il y avait peu de résultats. And there was so many results. Et certains ont détourné leur regard du Seigneur. And some turned their faces from the Lord. Mais quand Pierre a détourné ses regards de Jésus. But when Peter turned his face from the Lord. Quand Pierre a eu peur. When Peter was afraid. Alors qu'il était devant le Seigneur. Whereas he was before the Lord. Alors qu'il avait commencé par un miracle. While meanwhile he had started with a miracle. Le diable a pris le dessus. The devil took over. Et Pierre a commencé à se noyer. And Peter started drowning. C'est le Seigneur qui l'avait appelé. It's the Lord who called him. Mais il était en train de se noyer. But he was drowning. Il était au-dessus de l'eau. He was on the water. Par obéissance à l'appel de Dieu. By obedience to the call of the Mais Lord. Il était en train de mourir. And he was dying. Et le Seigneur n'avait rien fait pour lui. And the Lord did not do anything for him. Jusqu'à ce que Pierre crie. Until Peter cried out. Sauve-moi, Seigneur. Save me, Lord. Jusqu'à ce que Pierre réalise. Until Peter realized. Que la seule personne qui peut le sauver. That the only person who could save him. C'est Jésus. Was Jesus. Jusqu'à ce que Pierre revienne à la foi en Jésus. Until Peter came back to the faith to Jesus. Il était en train de mourir. He was dying. Mais quand il est revenu à la foi, but when he came back to faith, le Seigneur l'a sauvé. The Lord saved him. Plusieurs dirigeants doivent revenir à la foi. Many leaders must come back to faith. Plusieurs dirigeants doivent revenir à la foi. Many leaders must come back to the faith. À la foi en notre vision. To the faith in our vision. À la foi en notre but. To the faith in our goal. Et le Seigneur va tenir leur main. And the Lord will hold your hand. Pour qu'on accomplisse le but. So that we can accomplish the goal. Hallelujah. 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 Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes ont sombré dans le doute. Many people have sunk in doubt. Et ils sont devenus désagréables à Dieu. And they have become unpleasant to God. Hébreux 11 verset 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Or sans la foi, for without faith, il est impossible d'être agréable à Dieu. It is impossible to please God. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, for the one who comes before God, croit que Dieu existe, must believe that he exists, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, and that he is the rewarder of the one who seeks him diligently. En fait, les dirigeants de jeunes, in fact, you leaders, devaient prendre sur eux tout le but. Must take on them the goal. Pourquoi? Why? Parce que en période de crise, because in the period of crisis, de toute l'histoire des saintes écritures, in the entire history of the holy scriptures, en période de crise, in crisis periods, Dieu s'est tourné vers les jeunes. God turned towards the youth. David, un jeune homme de 17 ans. A youth of 17 years. Joseph, un jeune homme de 17 ans. A young man of 17 years. Josué, Joshua, Nun, Caleb, Caleb. Par rapport à Moïse, ils avaient certes la quarantaine, mais par rapport à Moïse, c'était des jeunes gens. They could have been 40, but in comparison to Moses, they were young. Pas Aaron, hein? Les autres, mais pas Aaron. The others, but not Aaron.
En période de crise, in the period of crisis, Dieu regarde aux jeunes gens. God looks towards the young people. Quand les Amalécites avaient attaqué le peuple d'Israël, when the Amalekites attacked the people of Israel, le vieux Moïse, the old Moses, était allé sur la montagne. Went to the mountain. Et il a envoyé le jeune Josué. And he sent the young Joshua au champ de bataille, to the battlefield. Dans cette période de crise, in this crisis period, le pasteur Boniface, Pastor Boniface, le président Lewis, President Lewis, ont besoin des jeunes gens, need young people, qui peuvent se lever, who can rise up, et décider d'accomplir le but, and decide to accomplish the goal, qui peuvent se lever, who can rise up, et mettre Abidjan au pied de Jésus, and put Abidjan at the feet of Jesus. On est à la recherche des David. We are looking for Davids. Qui ne vont pas considérer Goliath. Who will not consider Goliath. Mais qui sauront. But who know. Que pour autant que Dieu est avec nous. That for as long as God is with us. Le but va être accompli. The goal will be accomplished. Heureux les dirigeants. Happy are the leaders. Qui en période de crise. Who in crisis periods. Ont des Josué. Have Joshuas. Écoutez. Le peuple était attaqué. Listen, the people were attacked. Et Moïse and Moses a appelé Josué. Called Joshua. Il lui a demandé de choisir des jeunes gens. He said to him, pick some young men. Et d'aller à la bataille avec eux. And go into the battle with them. Josué n'avait pas rentré chez lui mettre de l'ordre avant de partir. Joshua did not have to go to his house and put order before going. Il devait immédiatement aller. He just had to go. Il fallait défendre les intérêts de Dieu. He had to defend the interests of God. Il fallait défendre les intérêts. He had to defend the interests of God. Josué s'est levé. Joshua got up. Il a pris d'autres jeunes gens. He took the young men. Et il est parti sur le front de la bataille. And then he went to the battlefront. Bénis sont les dirigeants. Blessed are the leaders. Qui ont des jeunes gens. Who have young men. Qui peuvent promptement aller. Who can go promptly. Pour sauver le peuple. To save the people. Pour sauver les intérêts de Dieu. To save God's interests. Josué pouvait dire à Moïse. Joshua could tell Moses. Moïse. Moses. Tu sais. You know. Que pour Israël. For Israel. Le commandant est au devant des troupes. The commander is ahead of the troops. Donc maintenant que tu as vu que c'est chaud. So now that you see that it's hot. Tu m'envoies pour partir mourir. Tu dis que tu peux prier. You are sending me to go and die, and you are going to say that you are going to pray. Non. No. Josué était parti. Joshua went. Est-ce qu'on aura à Abidjan des jeunes gens consacrés? Are we going to have in Abidjan consecrated young men? Qui vont prêcher de jour? Who will preach? Prêcher de nuit? Who will preach in the day? Preach prêcher in the night, en toutes circonstances? Preach in all circumstances? Qui vont se jeter entre les mains de Dieu? Who will throw themselves into the hands of God? Afin que la promesse de Dieu, so that the promises of God, l'autorité, the authority, et la puissance, and the power, repose entre leurs mains. Will rest in their hands. Et que le but soit accompli. For the goal to be accomplished. Est-ce qu'on aura ces jeunes gens consacrés? Are we going to have these consecrated young men? C'est de ça que le Seigneur a besoin à l'heure actuelle. That is what the Lord needs at this time. Et rien d'autre que ça. And nothing else but that. Le Seigneur a besoin des gens qui vont lui dire, Seigneur. The Lord needs people who say, Lord. Je sors de ma paresse. I get out from my laziness. Je vais prêcher. I will preach. Je vais prêcher. I will preach. Isaac sema. Isaac saw. Isaac sema. Isaac saw. Il ne connaissait pas. He did not know. Quel est le grain qui devait porter le fruit? What was a grain that would bear fruit? Mais cette année-là, il avait semé. But that year he sowed. Il avait semé. He sowed. Il avait semé. He sowed. Et il avait semé. And he sowed. Je vais semer. I will sow. Je n'ai aucun pouvoir d'amener la conversion. I don't have any power to bring to conversion. Mais tu as décidé de dépendre de moi. But if all depended on me. Mais tu as décidé de dépendre de moi. But you de have moi. Decided to depend on me. Pour porter le message. To carry the message. Je vais porter le message. I'll carry the message. Je vais prêcher. I will preach. Je vais prêcher. I will preach. Le Seigneur a besoin des gens qui vont prêcher. The Lord needs people who preach. Le Seigneur a besoin que tu reviennes à la prédication. The Lord needs that you should come back to preaching. Et que tu prêches, et que tu prêches, et que tu prêches. And now you preach and preach and preach. En fait, nous on a besoin des gens qui vont prêcher chaque jour. We need people who preach every day. Jusqu'au 30 juin. Until the 30th of June. Pour voir si Dieu ne va pas accomplir to ce qu'il nous a promis. To see if God will not accomplish what He has promised us. On a besoin des équipes d'intervention rapide. We need rapid intervention teams qui vont se constituer. Will constitute themselves. Et qui vont envahir les rues d'Abidjan.
en haut d'une ville de streets of Abidjan. Prêchant chaque jour. Preaching every day. À 40 personnes chacun. To 40 persons each. Ils disent, nous, on a un corps d'élite. They'll say, we are the elite corps. Nous allons prêcher chaque jour. We are going to preach every day. Chacun d'entre nous. Each of us. À 40 personnes. To 40 people. Et ils commencent dès demain. And they start from tomorrow. Et ils s'appellent corps d'intervention rapide. And then they call themselves a rapid intervention corps. Faisons-le. Let's do it. Et l'église va se remplir. And the church will be filled. De manière brutale. In a brutal way. Parce que le Seigneur est fidèle. Because the Lord is faithful. Parce que le Seigneur est fidèle. Because the Lord is faithful. Sortons de notre fatigue. Let's get out from our tiredness. Sortons de notre incrédulité. Let's get out from our unbelief. Rappelons-nous notre tâche. Let us remind ourselves of our task. Faisons la tâche. Let us do the task. Achevons la tâche. Let us finish it. Le Seigneur est à la recherche des jeunes filles. The Lord is looking for young girls. Qui vont prêcher comme elles n'ont jamais prêché. Who preach as they have never preached before. Le Seigneur est à la recherche des jeunes garçons. The Lord is looking for young men. Qui vont prêcher de jour comme de nuit. Who preach in the day as well as in the night. Le Seigneur est à la recherche des prédicateurs. The Lord is looking for preachers. Le Seigneur est à la recherche des personnes qui vont se consacrer à lui. The Lord is looking for people who consecrate themselves to pour him. Pour faire son travail. To do his work. Pour faire son travail. To do his work. Voilà à quoi cet enseignement doit aboutir. That is what this teaching must get to. Le Seigneur est à la recherche. The Lord is looking for des amoureux du pasteur Boniface. For lovers of Pastor Boniface. Qui vont se lever. Who get up. Pour dire. To say. Abidjan. Abidjan. Aura les 40 000. We have the 40,000. Me voici. Here am I. Seigneur. Lord. Utilise-moi. Use me. Le Seigneur a besoin des jeunes gens. The Lord is looking for young men. Qui vont abandonner les petits travaux séculiers qu'ils font. Would leave. Les petits travaux séculiers qu'ils font. Tu travailles, on te donne 50 000. Viens prêcher à 50 personnes chaque jour. Would abandon their secular jobs. You work and they give you 50,000. Come and preach to 50 people every day. Et les âmes périssent. Et les âmes sont en train de périr. And souls are perishing. Tu cours derrière 50 000. You are running after 50,000. Insulte même. They insult you. On te malmène. They rough handle you. Et tu es toujours là. And you are still there. Et les âmes des hommes périssent. And the souls of men are perishing. Non. No. Revolte-toi. Get revolted. Il y a un travail digne. There is a worthy work. Un travail qui paye dans l'éternité. There is work that pays in eternity. Le salut des perdus. The salvation of the lost. Le salut des perdus. The salvation of the lost. Le Seigneur nourrit ses serviteurs. And the Lord feeds his servants. Il est fidèle. He is faithful. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. He is the rewarder of the ones who seek him diligently. Donc quiconque prétend aimer le frère Théodore. So anyone who pretends to love Brother Theodore. Et il n'est pas en train de prêcher l'évangile. And he's not preaching the gospel. Il doit redéfinir l'amour. Il doit redéfinir l'amour. He must redefine love. Ce n'est pas l'amour. It's not love. Quiconque aime le pasteur Boniface. Anyone who loves Pastor Boniface. Et il n'est pas en train de planifier de comment son assemblée va se multiplier en 50. And he's not planning how his assembly will multiply by 50. Non, ce n'est pas l'amour. It's not love. Le Seigneur veut des jeunes gens. The Lord wants young people. C'est l'heure de la jeunesse. This is the hour of the youth. Est-ce qu'on aura des jeunes qui vont se lever? Are we going to have youth who rise up? Ne dis pas les oui d'encouragement aux prédicateurs, parce que quand on prêche, il y a toujours des gens qui encouragent. Don't say yes to encourage the preacher, because when you preach, there are always people who encourage. Dès que tu demandes, il répond oui. When you ask, they just answer yes. Quand ils sortent d'ici, when ils ne se souviennent plus du message. When they leave from this place, they forget the message. Il n'a pris aucun engagement. There is no more any commitment. Si tu as compris, if you have understood, si le Seigneur t'a parlé, if the Lord has spoken to you, et tu veux que les desseins de Dieu, and you want that the purposes of God, repose entre tes mains, will rest in your hands.
Tu veux que Dieu compte sur toi. You want that God should count on you. Pour l'accomplissement du but en Côte d'Ivoire. For the accomplishment of the goal in Côte d'Ivoire. Lève-toi. Stand up. Sache que quand tu te lèves, Dieu te voit. Know that where you are standing, God is seeing you. Et une nuée de témoins. And a cloud of witnesses. Te voit. Is seeing you. C'est possible. It is possible. C'est encore possible. It is still possible. C'est encore possible. It is still possible. Donc, chers dirigeants de jeunes. So, dear youth leader. Les jeunes disent qu'ils veulent. The youths are saying that they want. Donc, il faut maintenant que les dirigeants ne trahissent pas la jeunesse. So now the leaders must not betray the youth. En réalité, cet enseignement doit finir par un travail pratique. In reality, this teaching must finish with practical work. Où les dirigeants se rassurent que chacun de leurs jeunes qui est en train de s'engager ait une tâche claire. Where the leaders ensure that each of their youth who is committing himself has a clear task. Où les dirigeants sont en assemblée, je ne sais pas comment c'est organisé. Or where the leaders of the house churches or whatever, I don't know how it's organized. Je ne sais pas comment c'est organisé. I don't know how it's organized. Mais il faut une séance de travail où on communique aux gens. But we need a working session where we communicate to the people. La part des 100 000 qui doit être accomplie par eux. Their share of the 100,000 which must be accomplished by them. Et la stratégie qui va être implémentée. And the strategy which must be put in place. Pour que cela soit fait. Such that it is accomplished. Amen. Amen. Sinon, ce sera un enseignement comme d'autres. If not, it will just be a teaching like the others. Mais il y a des personnes sérieuses. But there are serious people. Il y a beaucoup de personnes sérieuses. There are many serious people. Le Seigneur veut faire quelque chose de différent. The Lord wants to do something different. Écoute, nous allons descendre sur la rue, dans les rues. Listen, we are going to go down into the streets. De manière différente. In a different way. Tu sais, you know, que dès le début de cette rencontre, that from the beginning of this encounter, Dieu nous a dit, God told us, je vous donne mon autorité. I give you my authority. Et ma puissance. And my power. Alléluia. 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 Donc nous partons sur un autre pied. So we are going on a different footing. Pray like that. Et présente à Dieu tes craintes. And present to God your fears. Présente-lui tes faiblesses. Present to him your weaknesses. En fait, dépose-les à ses pieds. Put them at his feet. Dépose-les à ses pieds. Lay them at his feet. Attaché immense, mais Jésus compte sur ses amis. Il y a parmi nous des missionnaires, même pour un jour, qui iront dans les villages prêcher et planter des assemblées. Il y a parmi nous des missionnaires. Mes impressions sont bonnes. L'église d'Abidjan est une grande église. La jeunesse a répondu présente, ils étaient nombreux. Et ils ont aussi bien répondu au message. Nous avons commencé déjà par une grosse visitation de Dieu qui nous a apporté son soutien, son assurance. Donc tout se passe bien. Je suis la sœur Odette Kouakou, disciple de Madame Bernadette Traï. Je veux dire merci au Seigneur parce que ce message m'a vraiment béni. Dans le sens où le leader a parlé, a démontré comment est-ce que Jésus-Christ a déterminé son travail, comment est-ce qu'il a accompli son ministère lorsqu'il est arrivé, qu'il même l'a rendu compte à Dieu avant son départ. Et l'apôtre Paul également a vraiment rendu compte à Dieu. Elle a dit que vraiment la tâche est finie et il me reste la coupe que je dois prendre au pied du Seigneur. Et vraiment ça m'a béni, j'ai compris que étant un enfant de Dieu, je dois travailler de ce que moi-même je puisse rendre compte à Dieu demain.
Dieu doit accomplir le but. Ça nous amène au but que nous devons accomplir chacun de nous. Et un enfant de Dieu poursuivre la marche que le Seigneur Jésus nous a tissé afin de marcher, d'accomplir le but. Et là où il m'a marqué encore, c'est qu'il a dit que Jésus avait un but clair. Et l'apôtre Paul avait un but clair. Et le but clair, le vrai Zacchée aussi a eu un but clair. Et ce sont ces buts-là, nous aussi, qui sommes les disciples, nous devons avoir des buts clairs et accomplir ces buts. Donc chacun doit repartir, travailler sur lui-même, rechercher à voir quel est son but dans la vie et marcher avec le Seigneur. Le frère Biaïchan, dirigeant de l'œuvre à la Riviera Palmera, dans la Riviera, nous avons été pleinement bénis par le message que nous avons reçu ce soir, qui galvanise les jeunes à aller sur le terrain de façon pratique et en tant que jeune, afin que notre but soit atteint. Nous avons été bénis, nous repartons. En tout cas, emballer tous les frères et aller sur le terrain pour que nous puissions donner au Seigneur Jésus-Christ ce qu'il nous a confié, être 40 000 dans l'église d'Abidjan et 100 000 en Côte d'Ivoire d'ici juin 2018. Sans prier abondamment. Je suis la sœur Diane ce soir. J'ai pour faire ici la sœur Colette Meunier. Et la rencontre m'a énormément bénie. Je ne suis pas venue dès le début, mais le peu que j'ai entendu m'a énormément bénie. D'abord concernant les frères qui n'avaient pas de but précis, j'en faisais partie, c'était un grand fardeau pour moi. Et j'ai pris comme résolution de poursuivre mon faisant d'ici, ma soeur n'est pas là, mais de voir mon dirigeant, notre autre faisant d'ici vienne, pour que j'aie un but. Parce qu'effectivement, avant que la rencontre commence, j'avais constaté que je tournais en rond parce que je n'avais pas de but précis. J'ai pris la résolution de travailler au fait d'avoir un but précis. Et j'avais aussi des craintes par rapport à l'évangélisation. Je me disais que je ne savais pas comment prêcher aux musulmans. Et j'avais des résistances. Et par la grâce de Dieu, je suis engagée à leur prêcher l'évangile. Même si je dois être rejetée, méprisée, je vais leur prêcher l'évangile. C'est le peu que je peux dire et je bénis le Seigneur pour ma présence. Ici aujourd'hui. Parmi nous, des missionnaires, des moines, qui vont dans les quartiers, prêcher et planter des assemblées. Il y a parmi nous, des missionnaires, même pour un jour, qui iront dans les quartiers, prêcher et planter des assemblées. Il y a parmi nous, des missionnaires. Missionnaires d'un week-end qui vont dans les campements.